York vend au monde entier comme image, c'est la skyline. Le seul truc qui intéresse les gens ici, c'est d'être proche du ciel. Là, c'est Uptown. Yeah. Downtown, Uptown. Le film parle vachement de ça, du fait que New York, c'est une ville qui est beaucoup coupée en deux. C'est vrai que la plupart des films qu'on connaît, toute la mythologie new-yorkaise, elle est très, très Uptown et Midtown. Et finalement, le New York de Downtown, on le connaît pas tant que ça. Et du coup, je me suis dit, je vais pas tourner dans le quartier où on tourne d'habitude. Quoi. Je m'étais déjà retrouvé dans l'hallucination qui est de tourner à New York. C'est tellement filmogénique et ça nous rappelle tellement d'histoires de films. Enfin, c'est très, très bref. Il y a du cinéma partout. No, faster. Faster, faster. Ouais, et là, c'est pourri, hein, mais en film, ça va être super beau. Hein. Ah, c'est pas ça, l'image. Non, c'est pas ça. New York, it's not an easy place to shoot New York, but what a wonderful, wonderful thing for Cedric to be able to do with his eye and his vision to capture a city in his way that has been in a million movies. And to see it through this very French auteur, you know? Action! Notre cadreur, Gérard, il m'a dit c'est génial, vous filmez New York, ma ville, et ça me l'a fait re-aimer. D'être ici, ça rend bien sûr le tournage plus exotique, plus dépaysant. C'est tellement cosmopolite, il y a tellement de fantaisie. Mais je crois que ça apporte aussi une énergie qui est bien pour le film.